lors de la flamme, lors de la flemme. Avec Rin. Magnifique héroïne. Coucou Tutube, vous avez le coucou Tutube de Yia, de Spitfire, FQC. Donc on était là. On était arrivé à, au dragon et qu'il fallait essayer de le sauver. Merde, mauvaise touche. Je crois qu'on lui avait parlé d'ailleurs déjà. On lui avait déjà tout dit. Et il était très content. Il avait dit ouais, t'es belle gosse et tout. Je me souviens plus d'ailleurs. Attends, est-ce que je peux recharger juste avant qu'il nous parle? Là. Non, il nous avait déjà parlé, ok. 36, c'est pas mal ça. Ah voilà. Ah mais oui. Je me souviens, il y a un mec qui avait parlé dans les haut-parleurs. En mode, venez à la réunion. Si vous venez pas, vous aurez pas vos biscuits. Plouf. Oui. Mais c'est une gymnaste, hein, professionnelle. Attention, attention! La réunion va s'ouvrir comme prévu dans le grand hall des ténèbres. Elle est obligatoire pour tous les esclaves du mal, morts ou vifs. Les esclaves du mal. Permanente, partielle ou temporaire. Rappel à tous les retardataires de la réunion précédente. Après la réunion, vous êtes chargé de fournir les beignets et les sacrifices sanglants à ceux d'entre vous qui comprennent la ponctualité. Ah bah oui, les beignets sanglants, s'il vous plaît. Quoi, les dragons? Ponctualité, ça veut dire quoi? Je connais pas. Des fois c'est fort, des fois c'est pas fort. Voilà, j'espère que ça éclate pas trop les oreilles. Hey, Rin! Ah. Chut, j'ai le cristal de faille. Ah, je savais que tu réussirais. Merci pour ta confiance, mon vieux. Il faut que je te sorte d'ici. Ouais, mon vieux. C'est une cage de runes. Le seul moyen de l'ouvrir, c'est avec la rune que porte Sheila. T'en fais pas, je m'occupe de Miss Piggy. Ah oui, Sheila. Et je reviens te chercher. Ah mais oui. J'ai toute confiance en toi. Si je te connaissais pas mieux, je dirais que tu me lèches les bottes, mon oiseau. Dis donc, tu veux voir ma chatte? Quoi? C'est vrai. Elle l'avait appelée Miss Peggy. Ça y est, tout me revient. Ça y est, tout me revient. Tout est parfait. Je suis très content. Vous êtes là. Je me souviens de vous. Yeah. Je me souviens de qui tu es. Du coup, mon vrai nom n'est pas Jason Bourne. Je m'appelle David Webb. Très bien. Donc, on a été là. Et fallait récupérer la clé qui est autour du cou de la reine Sheila. Voyons voir ce qu'on peut choper là. Oh, je vois qu'il y a déjà un mec là. Ah merde, il s'y fait. Mais il me fait. Mais il vise à côté! Mais il est débile! J'ai l'impression que les sons sont toujours méga forts. Je vais baisser à balle. Je vais mettre à 25. Ok, ça a l'air. Ça me cassait les oreilles. Est-ce qu'on va réussir à le buter comme ça? En mode sniping. Oh merde, j'ai balancé un sort de feu. Putain, je lui ai tout balancé. Le mec est toujours vivant, ok.
Et il est en train de nous faire des éclairs au chocolat. Oh, insolente, salut ma toute belle paire de fesses. L'ordre de cette chatte est là. Salut insolente, merci pour ton host. Tu es au travail, ça travaille dur, ça travaille bien, tu as passé un bon week-end. Tu m'aimes, quoi? Ok, ici il n'y a rien à récup. On se barre. Alors, est-ce que Insolente va remarquer quelque chose? Elle travaille dur. Putain, le mec fait des slides. Avec plaisir, le week-end sans récupérer. Ah mais oui, mais c'est parce que Yia, il t'a embêté tout le week-end, de ce que j'ai vu. Oh. Ah putain, one shot. J'ai été one shotted. Je dois remarquer quoi? Putain, elle a rien vu, elle a rien vu. Bitch là. Oh putain, puis je lui avais balancé toutes mes flèches, il fait chier. Bon, on va lui faire un petit sort dans la gueule. Ouais, parce que tu mérites pas, salaud. Nico. Ouais. Putain, il m'a déjà viré toute ma vie. Putain, on est reparti sur... Vous avez la nausée? Ah, et des fois, il est invisible. Du coup, je peux pas le toucher. Oh, la cigarette, ça y est, elle a remarqué. Et ouais, ça y est, la cigarette est revenue. Après presque un an d'absence, la cigarette... Même plus, hein, je crois, un an et demi d'absence, la cigarette est revenue. Donc c'est encore un petit peu work in progress, parce que je, là elle est de manière permanente, mais je ferai en sorte à ce qu'elle ne soit pas... Oh putain, j'ai réussi. La cimetière des ténèbres, ça fait quoi? Ok, c'est moyen. Well played, merci. Attends, sauvegarde tout de suite là. Oui, j'ai récupéré sa cimetière de ténèbres. Et tu n'avais pas remarqué, ma petite IA, que quand je suis morte tout à l'heure, quand je suis morte, j'ai fait ça. Wow, 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 8 bijoux, on se calme, la petite cœur, calmons-nous. Ou alors je peux faire... Oh. Quand je suis morte... Ah ben, je me personnifie dans le personnage. Je suis un acteur ou pas? Enfin, une actrice, pour le coup. Ou alors je peux faire... Oh. Merde, j'ai loupé. Parce que mon truc ne se trigger que quand je ne fume pas. Oh. Oh. Oh! Voilà, je m'amuse, quoi. Je m'amuse. Donc maintenant, à chaque fois que je vais crever... À chaque fois... Merde. Par contre, putain, et j'ai un gros problème de cause ce soir. Hein. Je sais pas ce qui se passe. J'ai la fibre. Un giga.
Qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a rien. Il y a rien qui fait rien. Un vrai gamin. Oui, bah un streamer, quoi. Je suis un streamer. Un streamer, c'est comme ça. Un streamer, ça fait toutes les deux secondes. Ah, c'est génial! Je vais vous chanter une chanson. C'est ça, un streamer. Ah bah moi, mon truc à moi, c'est de faire le mort. Et de fumer. C'est pas original? Alors ça, en plus, c'est censé me heal. À chaque fois que je les bute, ces gros bâtards... J'ai pas de place. C'est ta chérie. Elle regarde des trucs bizarres sur les vergetures. Et salut Rawizi. Salut mec. Est-ce que je m'emmerde à récupérer ces trucs là ou pas du tout? Ah putain, les potions d'invulnérabilité, on peut pas les stack. Les stash. Les coulou-coulou, stache-stache. Épée enflammée, c'est un peu de la merde. Épée magique à deux mains. Ok. Au final, j'ai plus besoin de ces trucs, vu que là, j'ai une épée de ouf, qui est indestructible, qui fait 32 dégâts. Ça m'intéresse pas. Au final. Ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. Elle a une vitesse moyenne et une portée longue. Ça du coup, ça demain... Bon, ça fait 42 dégâts, mais je m'en fous au final. Ça enflamme et c'est une résistance de 30. Donc je peux virer vraiment tous les trucs. Toutes les épées. Ça ne me sert plus à rien. Vu que j'ai une épée indestructible et qui fait déjà bien assez de dégâts. Je peux pas vendre. Non, il y a pas de... Oh putain, ma Némésis. Non, il y a pas de, il y a pas d'épicerie dans le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, je crois qu'il largue des caisses. Viens me voir. Allez, on est reparti sur un combat épique. Alors c'est marrant parce que des fois ils sont l'IA est folle et il te fait une attaque au couteau Shiryuken et des fois il est comme ça et il est débile. Ah putain, mais mon Black Devil. Ah. Zut alors. M'emmerde. C'est fou ces pertes de cause ce soir. Et 2300 images perdues. Mais qui a designé ce perso, bordel? Regarde, qui a designé la mort de ce perso? Comment se porte le magnifique bébé? Écoute, très très bien, on a reçu sa sœur aujourd'hui avec son petit neveu, qu'il n'avait pas encore vu. Et du coup, on a parlé tout l'après-midi du bébé, de tirage de lait, tout ça. Et du coup, j'ai dit au neveu, attention, ma fille, tu la touches pas. Tu ne l'approches pas. Que je te vois pas t'approcher. Et par la magie du scénario, tu perds ton épée indestructible. Et c'est vrai que si seulement il y avait des boutiques. Mais il n'y en a pas dans le jeu, c'est dommage. Mais c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de boutique, vu que tous les démons écossais sont là pour buter tout le monde. Oh, c'est trop mignon. Oui,
Et du coup, on a planifié un premier shopping pour le bébé avec justement sa sœur pour qu'on aille choisir les bons trucs, les bons stuff et tout ça. Donc bientôt, on va aller acheter le stuff. Regarde, là, je reviens en arrière. C'est beau l'amour, oui. Et sinon, le bébé se porte très bien, il bouge. Même quand on fait l'amour, il bouge tout le temps. Oh, il y a un passage secret là. Je sais pas pourquoi, il y a une bulle de savon. Je sais pas ce que c'est que ça, mais il y a une bulle. Wouah! Ah, j'ai pas sauvegardé. Putain, fils de pute. Ça suffit. Oh, j'ai pas sauvegardé, banane. Putain, j'avais oublié qu'il fallait que je sauve... Que je sauvegarde. Putain. Grand coquin, je suis un coquin. Et ma nana est une coquine. Aussi. Unsub, unfollow. Non, bon, on va le buter en deux secondes. On va le buter en deux secondes, voilà, on va bourrer. Voilà, en plus je me heal, ça sert à rien vu que le mec il me fout un coup, je meurs. Putain, il se met tout le temps invisible. Ah mais c'est peut-être la lame qui fait ça, je crois que j'essaye en fait sa lame. Si ça se trouve, la lame, des fois, nous rend invisibles. Mais meurs. Aïe. Chantage. Ça y est, allez, disparaît dans le void. Oh, oh, l'effet de l'épée est très joli. Il y a un petit effet de flou. Est-ce que c'est lié à... Bien, c'est quoi déjà, Ori Shade ou... Ah non, ça y est de base. Ok. Très sympa. Ah oui, save. Oh putain, merci. Oh la vache. J'ai failli oublier. On va voir, est-ce que des fois ça me rend invisible? En tout cas, ça me heal pas. Et ça me rend pas invisible. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Mais enfin! J'ai bien fait de save! Bon, c'est de la merde. C'est très sympa, mais c'est de la merde. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Moi je suis ambiancé. Là! Qu'est-ce que tu vas faire sans tes bras maintenant? Vas-y, 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 touche-moi! Essaie de me toucher, salaud! Ah, voilà, hein! Putain, il balance du sang partout, ça gicle! Je passe en lurk, ça marche. Bon lurk, yeah. Pas de bras, ah bah pas de bras, pas de meuf hein. Mais pourquoi il meurt pas? Je veux dire, il est en train de se vider de son sang là. Faut mourir à un moment donné, monsieur. Ou madame, je ne sais. Voilà, on a fait des tomates. Sauvegarde. Pas de branlette non plus. Ah oui, non, là c'est mort hein. Oh, un monde de lave. Qu'est-ce qu'ils sont malins, ces démons, d'habiter dans la lave. J'espère qu'ils ont des bateaux en bois.
Oh putain, le scare jump. Seigneur de la faille, maître des ténèbres, nous autres, humbles serviteurs, cherchons ton plantoche de l'union des ténèbres. Des ténèbres, Camelto. Quelles sont les nouvelles, Sheila, reine des succubus? Écoutez-moi, maître des anus, White Hat. Mon tir de Héron, ancien ennemi de Navarros le Grand et de l'Union des Ténèbres. Beau travail. L'ennemi des Navarros. Nous sommes tes serviteurs et attendons impatiemment ton verdict. Est-ce que tu... Je n'arrive plus à avoir la chatte avec ce bide. Reste la question du cristal de faille. Les serviteurs des ténèbres ne pouvant réussir les tests, j'ai dupé une innocente pour qu'elle nous la porte. Toi, ma belle, tu vas voir. Cette succube, elle s'appelle Sheila. Sans le pouvoir du dragon, on s'en débarrassera facilement. En anglais, son nom c'est pourrir. À moi. Veille à le reprendre. La puissance de l'épée de Héron et le cristal de faille. Je suis le roi des anus blancs. Sirlik, grand prêtre de magie mortelle, viens ici. Et j'ai vomi. Oh là là, cet arc-en-ciel LGBT que nous avons là, dis donc. C'est coloré tout ça. Et les préparatifs pour mon retour. Je ne pouvais pas m'identifier à un sexe, du coup j'ai viré toute ma peau et tout ce qu'il y avait avec. Oh, notre petit frère! Oh non, il va boire du lait maternel. Dans les années 2000, nous avions inventé le PNG pour les textures et le TGA. Quelle joie, mes sujets. Bientôt, je serai... Oh, pardon, je suis le maître d'épée. Le ténèbre régnera enfin sur tout Drakkan. Et au-delà. Il se marre. Vous avez déjà vu un trou de balle qui se marre? Eh ben voilà. Et d'ailleurs, là, on a un magnifique plan sur le trou de balle de Sheila. Ah, écoutez, c'est ma grande passion, c'est de photographier des anus d'oiseaux. Écoutez-moi, monsieur le mâle, ça suffit. C'est pas bien. Salut, Abjoui. Alors, est-ce que je peux plonger dans le néant? Non. Oh là là, il y a dilatation, là. Faut arrêter d'insérer n'importe quoi, hein. Force, ça dilate. Et c'est irrité, ça va rougir. Oh, des objets. Le coffre est trop grand. C'est quoi ça? C'est une poubelle de McDonald's? Plonge-lui dans le cul. Je peux m'installer, créer un appartement dans ce coffre, tellement il est grand. J'ai récupéré une lance foudroyante. Ok. Bon, on va la garder. Il y a un petit effet. Ok, alors nous sommes où? Nous sommes là. S'emparer de la clé de la cage du dragon que possède Sheila. Nous tomberons de Caribe en Sheila. Je suppose qu'il faut monter. Je suppose. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Godzilla.
Godzilla. Godzilla. Très très bon, s'il vous plaît. Oh, elle est là. Sheila, donne-moi la rune qui ouvre la cage. Tout de suite, Sheila. Non, non, ma petite caca. C'est toi qui ma petite caca. Chose. Le cristal de faille. La seule chose que tu vas avoir, c'est un bel enterrement si tu ne me donnes pas cette rune tout de suite. Oh, le jeu d'acteur. Oh putain, c'est un combat de boss. Attendez, sauvegarde. Attendez, je vais faire une sauvegarde comme ça. Enregistrement. Ma petite caca. Ah ouais, non, mais ça triche là. Elle est dans le bide. In the bidon. Pré-shot qui ne marche pas. Mais tu fais quoi à part rien du tout? Oh, j'ai eu visé dans la touche. Ah mais c'est vrai que c'est téléguidé. Ces magnifiques flèches sont téléguidées. J'ai l'impression qu'elle me... Elle me largue des caisses. Putain, j'ai cru que je l'avais buté. Je me suis dit, mais c'est quoi ce boss de merde? Et non, elle a fait que reculer pour mieux sauter. C'est bon. Inspectons le cadavre, vite, avant que l'inspecteur d'Eric et Harry n'arrivent. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire du jambon? Même l'épée. Écoutez bien, l'épée. Trouve ça dégueulasse de lui taper dessus. Merde, on n'entend plus l'épée, là. Oh merde, on peut pas en faire de la saucisse. Eh ben dis donc, c'était incroyable. Ça, c'est un combat de boss que je m'en souviendrai. Même les succubes basiques étaient plus coriaces que ça. Ah, il y a une petite ragnoute là qui est tombée. C'est facile, c'est des blagues faciles. Ah mais je reviens en arrière là. D'accord, je repasse par le pont d'où je viens. L'épée ne veut pas y toucher. Ouais, l'épée elle fait... Bon, mais Sheila est morte. Voilà. C'est fait. Et j'ai récupéré la clé de la cage de runes. Ah, mais du coup, oui, si je reviens en arrière, je peux aller libérer le dragon. Donc en fait, faut revenir en arrière. Je pense, hein. Ok, le combat était bien bien nul. Eh mais c'est un pouvoir pour le dragon. Ok. Il faut que j'aille le chercher. Bon, Arok, c'est ces démons-là qui tuent les humains, vraiment, sérieusement. C'est la première fois que je me bats de ma vie et je les tue tous. Y a pas un souci? Tu es libre. Va, fonde une famille. Oh putain, ça va chier, on a un dragon. Allons-y. Ah, je ne peux pas passer.
Et les colonnes sont trop grosses. Les petites sauvegardes. Et vous nous prévenez, hein, dès que vous nous mettez de la musique, ce sera cool. Hein. C'est la pause clope. Déjà ? Bah non, c'est un peu trop tôt. Le post-clope sera dans une demi-heure pour moi. Bon, c'est vrai que ça fait plus d'une heure que j'ai démarré le live, mais là ça fait qu'une demi-heure d'épisode. La 3D, l'image de synthèse. Les particules. Les polygones. Ouh. Ah, on a disparu, ok. Ah, ça y est, on est revenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau sort ? Arok, dépêchons-nous. Sheila, les Vartok, les gobelins, ils essaient d'apporter un seigneur de la faille à Drakkan. Navarros ? Je sentais bien que cela arriverait. Ah, c'est ça le big boss. C'est Navarros. C'est pour lui que Sheila voulait le cristal de faille. Ils veulent l'utiliser avec une épée. Non. Ils ont la lame de rune. Quel malheur. Mais Navarros connaissait leur pouvoir. Eron s'en est servi pour emmener Navarros à la faille. Comment tu fais pour bouger ta bouche quand tu parles ? C'est pas normal. Donnerait au Seigneur des Ténèbres un pouvoir bien plus terrible qu'autrefois. Il lui amène mon frère maintenant ! Mais non ! Si mon frère est emmené dans la faille, nous serons obligés de combattre Navarros. Pour cela, il va nous falloir le cristal de faille et la lame de rune. Très bien. Allons chercher cette épée. Allez, allons chercher ce stuff. Oh putain. Ouh, c'est le nouveau sort de qui fait n'importe quoi, qui tire dans tous les sens et qui ne vaut pas le bon vieux lance-flamme. Merde, pourquoi je... Voilà. Le lance-flamme qui one-shot tout le monde. Bah, si j'arrive à toucher. Il a pas léché de la vie, là ? Petite sauvegarde, parce qu'on va pas se retaper la cinématique. On est où là ? On est là. Oh, oh, mais il y a des passages partout. Il y a une petite tourelle de merde là. Putain, il m'a vu. Est-ce que je le touche ? Est-ce qu'au moins... Putain. Oh, putain, j'ai encore... Mais c'est fou, j'ai encore perdu mon Black Devil. Mais qu'est-ce qui se passe avec la co, bordel ? Là. Et salut Kitten Rescue. C'est explosé ? J'ai l'impression que oui. Lui, il est bloqué, donc on va le buter. J'ai vu un mec passer. En tout cas, je suis contente, il y a toujours ces belles emotes. Ah oui. Effectivement, ils ne m'ont pas encore modéré. Mais je sens qu'à un moment donné, quand ils vont se réveiller, ils vont me les enlever. Hein. Oui, il y a un mec, là. Alors, toi, je te one-shot parce que ça suffit. C'est marrant parce qu'il me semblait avoir vu un monstre volant. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est cet empaffé ? Ah, déjà, je vois qu'il y a un mec là. Oui, Mako n'arrête pas de bug. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Rien n'a changé.
Ah mais là je reviens en arrière là. Oula. Je pense qu'il faut buter tout le monde. Ouais, j'ai plus de vie. Mais ils peuvent pas lécher de la vie. Tu devrais peut-être redémarrer le modem. Oh, je pense pas. Laisse exploser. Là, il y a un mec qui tire des foudres. Qui tire de la foudre. Putain, mais c'est les one-shots. Ce jeu est trop bizarre. J'avais oublié à quel point il était chelou en termes de... Ah ben voilà, ça y est, ça lâche de la vie. Et même les nouveaux pouvoirs de Hank, je ne les utilise pas tellement, ils servent à rien. Le lance-flamme reste le truc le plus pété, le premier pouvoir du jeu. Et voilà, on les one-shot tous. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois de la foudre. Oula. C'est là qu'il fallait aller? Des dragons squelettes. Trouver la lame de rune. Peut-être que je ne vais pas au bon endroit, je ne sais pas, on va voir. Là, il y a une merde. Il y a une connerie. Oh. Ah mais c'est... Oh, c'est l'anus alpha oméga. Je sais même pas si ça me fait mal. Ah voilà, mais j'ai reperdu. Putain. Ce qu'on avait vu, c'était le petit bébé. Le petit bébé Navarros. Là, c'est le grand papa Navarros. Ok, je peux en passer par là. Hein. Je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction. Je n'en sais rien. Il a lâché un truc. Ça m'est déjà arrivé que ça déconne une fois rebranché, ça allait mieux, mais bon, c'est pas sûr à chaque coup. C'est le prix de coup. Ah mais là c'est pas moi hein. Là c'est pas moi. Là la coup elle va bien là. Je pense que tu dois avoir un petit peu de ton côté et un petit peu du mien. C'est devenu très sombre soudainement. Il y a un ascenseur là. Est-ce que c'est un ascenseur? Je dirais que oui. Oh mec, moi je voulais un rock. Oh, putain, il va encore m'emmerder. Aïe, putain, puis il vise bien. Oh la vache! Je peux me heal comme ça normalement. Aïe. Allez, meurs, petite merde.
C'est bon. Sauvegarde. Ah mais Arok il pouvait passer là. Merde. Merde, c'est quoi déjà la touche pour appeler Arok, j'ai oublié. C'est moi cette fois, bordel. Ah merde. C'est Terminator. Comment on appelle Arok déjà? J'ai oublié la touche. Utiliser l'élément action du dragon G. Ok. Oh putain, mais le mec, c'est un tennisman. Hop. Arok, viens buter pour moi. Ah mais peut-être qu'il peut pas venir. Oh là là, mais c'est super casse-couille de faire des combats à répétition. J'avais complètement oublié tout ça. C'est génial. Ça, c'est du gameplay ou pas? Moi, je trouve que c'est du gameplay. Merde! Le mec a fait un demi-tour! Il a changé son habitude! Mais il est tout le temps invisible, je peux jamais le toucher. Putain! Bonjour à ceux qui sont dans l'ombre. On ne meurt pas, venez parler avec nous. Ceci est un message de la modération. Je vais faire une sauvegarde au cas où. Oh putain, il y a mon petit frère là. Putain, il y a mon petit frère partout. Je vous tue, je vous tue, je vous tue. Attends, c'est mon frère ou pas, ça? Faudrait pas le toucher sans faire exprès. Oh là là, il y a des effets de lumière. Le jeu n'en peut plus. J'essaie d'accueillir comme... Mais tu fais bien, tu fais bien. Et tu as raison. Vu que moi, je... J'essaie déjà de gérer cette merde de jeu. Ok, est-ce que je peux activer les trucs? Est-ce que je peux couper du jambon? Ok, c'est pas mon frère. C'est des Écossais qui ont des toges... Et des pagnes qui tiennent super bien. Qui tiennent super bien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le libérer. Oh putain, mais il y en a tous les 5 mètres. Mais c'est interminable. Allez, vas-y, je bourre. Mais ils sont partout! Oh là, il y a un coffre et je suis sûr qu'il faut le buter. Du coup, pour le débloquer. C'est toi le diable ici? Oui, je sais bien, mais j'arrête pas de les buter, ils reviennent tout le temps. Merde. Je crois qu'ils veulent me tuer. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? À quoi qu'il y ait une borne? Peut-être qu'il faut activer la borne. Putain, ce sont des aliens. Aïe.
C'est lui qui m'a tiré dessus. Hop là, je zigzague là, tu peux pas m'avoir, je vais trop vite là. Vous m'aviez pas manqué les mecs qui font du feu là. Bon, ça suffit. Putain. Il est casse-couille. Il est méga casse-couille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Peut-être qu'il manque un objet pour activer... cette drôle de borne. À mon avis, il me manque un truc. Bon, les décors est un peu cool. C'est dommage, ça manque d'ambiance musicale. Parce que là, c'est... C'est tout. Ok, là, y a rien. Oh merde, je crois qu'il y en a un autre par là. Je crois qu'il y en a un autre. Non. Je peux pas me barrer. Là, comme ça. Oh, putain, mais il y en a tous les 5 mètres! Merde. Un rock. Au pied. Vite, le bunny hopping tout de suite. Ouh, ça va peut-être faire venir un rock ça. Oh oui. Une insolente trempée, intéressant. Si. Et voilà, comment trigger? Putain. Oh putain, je comprends pas, je comprends pas pourquoi... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Merde. Avec mon Black Devil. Là, je... Ça m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment. On se trouve des excuses comme on peut, coquine. Alors, il y a un dragon squelette, là. Qui est foutu? Voilà, il est foutu. Ok, donc là, en gros, il faudrait que je continue pour aller chercher la lame dans cette direction, je suppose. On reviendra, on butera tout le monde. Oula, mais on tombe profondément, là, on va croiser King Kong. Il y a un passage, là. Merde! Oh putain! Je suis en normal. Tour de contrôle, tour de contrôle, j'ai perdu l'assiette. C'est le Black Devil tranquille. Oui, s'il vous plaît, c'est moins tranquille. C'est bon? Là, il y a de la vie, là. Ça, c'est bien.
Oh que la map elle est grande. Oh qu'elle est grande. Putain, et si la meuf elle est pas cramée avec tout le temps qu'elle reste si proche du magma. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces plateformes là ? À mon avis, j'ai toujours pas le truc. Je ne peux pas voler ici. Oh, je vois qu'il y a des mecs en dessous. Est-ce que je peux les brûler d'ici là ? Je regarde un film. Ah, c'est vrai qu'on dirait un film. Ah, et si je pose le dragon ici? Non, ok. Je ne peux pas voler ici. Mais si, tu peux. Ok, il faut certainement continuer. Il lâche pas de vie, bordel. Je me refais les camelotes. Ah oui, mais c'est pas un film, les camelotes. On est dans la glotte de Navarus. Ça fait beaucoup là. Et je vais crever. Ah, ah merde, je vais reprendre là. Alors c'est vrai que moi les camelots c'est pareil, je suis pas. C'est rigolo, mais je suis pas. C'est pas un truc que je vais regarder. Vraiment en le voulant quoi, c'est juste parce que je suis tombé dessus en regardant sur M6 ou une connerie. Ça manque de modos aujourd'hui, ils sont où? J'avoue, les modos sont tous barrés, ben, ils savent qu'il y a bien assez de modos. C'est que il tourne tout en même temps, du coup ça file la germe. J'ai vraiment l'impression d'être dans un avion. Je m'endors en regardant ça. Oui, c'est vrai que c'est très pour s'endormir, c'est très bien pour faire la sieste. Tiens là, petite connard. Là, et de 1. Ils sont pas faciles après shot. Où est-ce qu'il est? Oh, je lui ai brûlé la queue, tu devrais crever là. Ok, je suis où? C'est pour ça que je regarde autre chose. Mais du coup, tu regardes les camelotes ou pas? Tu n'es pas clair. Est-ce que je peux rentrer là? Oui, ça passe. Oh, putain. Tu peux les brûler, s'il te plaît? Ils font que m'embêter. Est-ce que je peux les brûler d'ici? Ah merde, ça passe pas.
Là, ça passe. Merde, ça s'est rebondi. Zut, j'avais trouvé un angle. Zut! Super. Bon, bon, on va les skip. Ah oui, c'est vrai que t'allais te faire vacciner, il me semble. Hop là, et voilà. Et là, ils sont bloqués. Là, ils peuvent plus passer. Cet ennemi est incroyable. C'est le plus fort. Ah zut! C'est un ascenseur! Le labyrinthe, je sais pas où faut aller. Je vais voir par là-bas. J'ai toujours mon train. Ah bah oui, c'est toi qui as créé le train de la hype, ouais. Oh putain, il a failli me toucher. Ok, je reviens. Putain, c'est marrant, des fois le bunny hopping il marche tout seul quoi. Hop. T'es baisé là. Tu veux pas me toucher. Ah si, putain, il me touche. Vite, allez, l'ascenseur. Tiens, je vais claquer toute ma vie là. Ok, on va voir ce qu'elle a. Ouh, les lucioles. Ok, là je ne comprends plus rien au jeu. Je ne sais plus ce que je fais. Ah. C'est incompréhensible. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas la map, je ne sais pas dans quelle direction il faut aller. Défonce-le, oui. Zut, je me suis fait encore avoir. Pas facile à comprendre, hein, cette putain de map. Là, tout ça, là, tout ce qui se passe, ça m'était complètement sorti de mes souvenirs de Drakkan. Alors là-haut, il y a une tache de sang. Est-ce que c'est un message des développeurs? Je ne sais pas. Il y a des petites lucioles, je ne sais pas pourquoi. Très bizarre tout ça. Voilà, lui on va le skip. Parce que c'est un salaud. On l'a traversé. Oula oula. Oula oula. Putain mais. Il y a un ascenseur. Ah oui non, ça c'est pour redescendre. Je ne sais pas où je vais, j'avance là vraiment en mode ok, on verra bien. Ah, ok, ça arrive là. Mais putain, mais c'est devant toi. Oh putain. Le contorsionnisme. Qu'est-ce que j'ai fait?
Un GPS SVP. Ah là, il y en a pas là. Là, la map en plus, elle nous aide vachement. Merci la map. Ah, je vois, ok. Là, il y a les particules qui s'arrêtent. Ok, le pénitent le passe. Ok, il faut redescendre. Le saut du lion. Toujours vivant, toi ? C'est impressionnant. Je suis très impressionné. Et j'ai encore perdu mon Blake Neville. Ah, il est en train de crever. C'est fou que mon Blake Neville, de temps en temps, je perds le coup. Il y a un truc qu'il faudra que je fasse du coup pour que mon Black Devil arrête de faire ça, c'est ça sera que je mette mon logiciel de tracking sur mon PC portable. Et là du coup ça ne passera plus par le réseau, il n'y aura plus de problème. Parce que là c'est chiant. Ça arrête pas, ouais, ouais. Dès qu'il y a des micro-coupures de réseau, dès que le réseau est trop surchargé, j'ai l'impression que genre ça passe plus quoi. Les informations ne passent plus. Ok, petite sauvegarde. Donc là, je pense que... Voilà. Oh, c'est hyper beau. Là, faut le deviner. Ah, mais il y a une musique, je l'entends, en fait, en fond, très très bas. Parce que comme j'ai baissé le son du jeu... Ok. Et oui, c'est beau. Et voilà, et j'ai encore perdu mon Blake Devil. Parce que je suis dans le rouge. Et je sais pas pourquoi, là, je suis dans le rouge. C'est Indiana Jones. Et oui, et c'est pour ça que je disais le saut du lion. C'est la dernière croisade. Ouh, à mon avis, il y a des boss, là. Il y a des boss partout. Vous ne pouvez pas me buter, je suis imbutable. Et vous êtes trop chelou. Ah, ça y est, il me faut perdre de la vie. Ouh, la vache! C'était les guinées en plus leur truc. Ah non hein, commence pas à bloquer. Déjà que les polygones sont méga chiants. Il en reste un, il en reste un. C'est bon. La rune de lave. Je trouvais la rune de la... C'est pas ça que je suis venu chercher, mais bon, c'est pas... C'est tout, et là, je reviens. Ok. Salut, Shakin Shakayou. Salut, mec. Je viens de trouver l'Arche d'Alliance. C'est vrai que ça y ressemble un peu. Ah, mais vous êtes deux. Bon, on va s'amuser, les garçons. Il s'est bloqué dans le mur. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'ils sont tous morts. Ok. Allez, on se barre. Il faut refaire le chemin inverse. Et mon Black Devil qui perd tout le temps le... Ah ouais, mais j'ai des... Putain, mais j'ai des grosses pertes de coups, mais c'est super impressionnant. Mais c'est quoi cette merde? C'est incroyable. Je me demande si pendant la pause, là,
Je vais pas effectivement redémarrer la box parce que c'est pas normal. Bon, faut que je trouve le moyen de brancher mon ordinateur portable en Ethernet, mais ça va, le Wi-Fi à 1 giga pour streamer du 6 mégaoctets, enfin du 6 mégabits, tout va bien, enfin je veux dire, ça n'a pas besoin d'avoir un Wi-Fi de ouf. Et voilà, il a reperdu le tracking. Putain de merde! Ouais, peut-être qu'il suffit juste de relancer OBS, j'en sais rien. Eh oui, le stream bug, ouais. On se barre. Tu as l'air reposé. Pendant la pause, je pense que je vais relancer tout ça. Et peut-être même que je redémarrerai l'ordi, je vais tout redémarrer. Ok. Donc trouver la lame de rune, ce n'était toujours pas ça. Et j'irai parler de vergeture, effectivement. Alors par là, il y a quoi? Est-ce que je peux me barrer par là? J'ai pas l'impression. Non, il faut que je revienne. Oh, Tanner, salut ma poule, mais ça fait tellement longtemps mon cher Tanner, comment ça va? Comment ça va bien? Un vieux de la vieille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es... Qu'est-ce que tu fous là? Pour pas avoir de coupure, il faut aller voir la rediff YouTube. Oui. Ça fait longtemps, et ouais, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que toi, tu viens plus quand je fais du Hearthstone, mais ça fait plaisir de te voir. Je crois que tu streamais toi aussi pendant une certaine période. Est-ce que tu continues toujours? Plaisir partagé. De même. C'était pas bon. Je suis perdu là, je suis perdu. Il y a des trous partout. Les trous, quand il y a des trous partout, je. Je stream le dimanche, ok. Et oui, c'est pour ça que je te vois jamais en live. Parce que le dimanche, moi, je suis pas très cool sur Twitch. Moi. C'est très rare. Ok, le dragon venait de là. Là, je peux en profiter pour aller buter ces mecs. Ça, c'est fait. Toi aussi, là. Te cache pas, là. Est-ce que la pierre que j'ai récupérée me permet de débloquer ce passage? Merde, enflammé, je m'en fous de ça! Et d'ailleurs, je me rends compte, je n'ai plus d'armure. C'est pour ça que maintenant, je meurs en un coup. Oh là. La bagarre de dildo, de fesses, de paire de cul et de... Oh putain, j'ai de nouveau le stream qui fout le caca. Mais fais quelque chose avec cette borne. Je sais pas ce qu'il faut faire avec cette borne de merde. Pose tes fesses. Ça arrête pas de bug. Ce sera l'épisode du bug. Bon d'ailleurs, en fait, je suis à 1h10. Je suis à 1h10 d'épisode. Je pense qu'on va faire une pause.
parce que là, je suis un peu perplexe et perdu, perdu et perplexe. Salut, c'est moi, perdu et perplexe, ça va ? Arok ! Donc moi, je dis les amis... Strass, c'est un con, évidemment. Moi, je dis les amis... Fin de cet épisode. Où Drakan est complètement paumé. Et son dragon aussi, hein. Vraiment, ils ont deux têtes de paumé là. Post-cigarette. Oui, post-cigarette. Et je vais tout relancer. Parce qu'il y en a marre des lags toutes les deux minutes là. Des coupures de stream là. C'est chiant. Donc, fin de cet épisode, les bisous les amis, et j'espère que prochain coup, sur la suite, je vais pouvoir me resituer sur cette map et savoir où est-ce qu'il faut aller. Les bises, et à la prochaine sur YouTube, bisous. Bye.